regardez votre reportage tranquillement avec Super U, commerçant autrement, à Maran. Regardez votre programme avec Cinéma Tout Vu, DVD, affiches, livres, cartes postales, raretés et photos. La boutique de tous les cinémas, c'est à La Rochelle, 10 rue de la Ferté. Mais bon, ça t'inspire quoi, toi, justement, le Leinster ? C'est une équipe que tu as déjà croisée ? Oui, je le disais cette semaine, c'est une équipe qui est habituée à ce genre de rendez-vous, qui se focalise souvent sur la H-Cup, sur la qualification pour en arriver là. Ils atteignent souvent d'ailleurs le dernier carré, donc le peu de joueurs qui ne sont pas internationaux dans leur équipe sont habitués à jouer sur ce tableau, des matchs couperés. Champions League, c'est un sprint, hein, à chaque match, presque si on le perd déjà dès les phases de poule, on est éliminé. Donc, ils sont vraiment focalisés sur cette compétition. Donc, ils vont arriver sûrement sûrs de ce qu'ils ont pu faire jusqu'à maintenant et sûrement de concocter 2-3 lancements un peu spéciaux parce qu'on sait que sur chaque match, ils s'adaptent un petit peu à la défense adverse. Donc, voilà, je dis, il va falloir qu'on soit très alerte pour leur laisser le moins d'opportunités possible. Pour le coup, toi, t'en connais pas mal, les internationaux irlandais. Oui, après, je disais, de toute façon, on les connaît tous de par leur parcours. Et, chaque saison, on sait que c'est une équipe qui est très régulière, qui laisse beaucoup de jus sur ses matchs. Donc, voilà, on sait vraiment que ça va être un match qui va se jouer à très peu de choses, comme on le dit souvent. Mais si nous, on arrive à rivaliser à ce qu'ils nous proposent, à vraiment les cadenasser, à les maintenir chez eux, on s'exposera déjà beaucoup moins à des pénalités pour les poteaux et à des pénales touches pour qu'ils mettent leur jeu en place. Ces dernières années, on commençait à parler d'un complexe des Français face aux Irlandais. Est-ce que le fait que vous ayez gagné, que vous étiez 4 à gagner à Dublin avec l'équipe de France, donne confiance aussi à vos partenaires? Vous, déjà, vous avez battu ces joueurs-là cette année. Est-ce que vos partenaires, tu sens que ça infuse un peu parmi eux? Ce qui est plutôt positif pour nous, c'est notre parcours depuis le début de la saison où le groupe est très homogène, quels que soient les joueurs qui sont sur le terrain, on arrive à garder un bon niveau et on a eu vraiment cette montée en puissance tout au long de nos rencontres, que ce soit en championnat puis sur la H-Cup. Voilà, c'est vraiment notre expérience collective cette saison, plus qui a été créée depuis de nombreuses années ici, qui fait que le club se retrouve là aujourd'hui. Donc chacun a quelque chose à amener, de par son énergie, son vécu. Voilà, ça fait avec le match reporté de Brive, on a vraiment pu se focaliser sur cette rencontre. Et voilà, on les a bien étudiés, donc on se donne les moyens de faire un gros match. Mais après, c'est nous sur le terrain qui devrons prendre nos responsabilités aussi. Est-ce que tu ressens une émotion particulière chez les plus anciens du club, que ce soit Denis, Bourbon, par exemple, on connaît beaucoup de choses avec ce club, mais jamais un tel match en demi face à un tel club? On ne le ressent pas forcément encore. Je pense que individuellement, dans leur tête, ils en ont conscience, ils savent par où ils sont passés, au moins difficile surtout. Et je le disais, chacun aura quelque chose à apporter, et ces joueurs-là d'autant plus, parce que si on est là nous aujourd'hui, c'est aussi grâce à ceux qui depuis des années luttent avec ce club. Donc voilà, tout le monde aura quelque chose à amener sur ce match, et que ce soit un surplus d'énergie, je sais pas, un feeling justement par rapport à ce match, de ce que eux ont vécu, comme je viens de le dire, ça peut nous apporter aussi, voilà, s'ils nous le rappellent, quelque chose dans notre préparation, notre adrénaline, tout va compter et il faudra vraiment se servir de tout pour que l'équipe soit performante. Et toi, tu as un regard neuf sur le club, ça fait que quelques mois que tu es là, tu ressens la dimension historique? On le ressent déjà en venant ici parce que c'est normalement avec le public, l'engouement qu'il peut y avoir dans la ville, on sait que c'est un club qui monte en puissance. Moi, le Stade Rochelet, que ce soit depuis Agen, Castres, le Racing, et j'ai toujours joué sur un stade plein ici avec une équipe qui savait recevoir, le public aussi. Donc on sait l'importance que du rugby dans la ville de La Rochelle et même dans les alentours, dans l'agglomération. Donc nous, on est heureux déjà de faire partie de cette aventure. Et puis voilà, les choses montent en puissance dans la ville, dans le club, d'autant plus avec ce parcours en Champions Cup. Donc, ça nous amène de l'énergie, mais malheureusement, on ne pourra pas le partager. Donc j'espère qu'on fera en sorte
de procurer du plaisir dimanche sur le terrain. Tu disais, là, dans ton parcours, tu es passé d'Agen à La Rochelle en passant par Castres, le Racing, tu as côtoyé beaucoup de gros joueurs, de joueurs avec beaucoup d'influence. Comment tu situerais Will par rapport à ça, justement? Quelle influence il a au-delà de son rendement sur le terrain? Il fait partie de ces joueurs qui ont énormément d'expérience au niveau international, en club, de par ses titres aussi avec Saracens, mais qui reste une simplicité hyper agréable au quotidien. C'est pas quelqu'un qui va en rajouter, qu'on va entendre de trop, mais voilà, ça me fait penser à des joueurs comme Joe Rokosoko, Dan, Kessi Lolala, qui avait une expérience, même Chris Mazoui, qui avait une énorme expérience, qui avait une régularité énorme sur le terrain, mais qui était d'une simplicité au quotidien de jeunes joueurs avec qui on pouvait devenir très vite copains, parce que je pense que c'est avant tout un jeu pour eux et leur passion. Donc voilà, mais c'est vrai que des joueurs comme Will, ça fait du bien de les avoir, et il amène toute son expérience à jouer avec la règle, à jouer avec beaucoup de choses, et je pense que devant, c'est un gros atout pour notre pack. L'atout, c'est aussi de récupérer les 10 joueurs de métier. Voilà, je le disais, tout va compter. Donc, c'est vrai qu'on arrive à passer au travers de coups durs sur des blessures ou autres qui nous laisseraient peut-être dans des positions délicates. Donc, toutes les bonnes choses sont à prendre, surtout à cette période de la saison. Donc, ouais, on devrait récupérer nos deux joueurs, ce qui est une bonne chose parce que voilà, on va avoir besoin de l'expérience de chacun à chaque poste et que tout le monde soit à son meilleur niveau. Donc, plus on est de joueurs postulables aussi. Tu t'es pas rêvé avec le numéro 10 toi, pour ce genre de match, comme à la fin de match contre nous? Non, voilà, je pense que dépanner, c'est pas un souci de avoir la responsabilité sur tout un match, surtout à ce niveau de la compétition, ça peut être plus dur à gérer. Tu butes à titre d'information ou pas? Ça peut arriver aussi. Ouais. Voilà, je disais, il y a des joueurs qui sont faits pour ça aussi et qui le prouvent depuis un moment. Donc, il y a toujours des sortes de dépannages qui sont possibles, mais si on a tout le monde sur le point, c'est encore mieux. Tu as beaucoup fait la navette, Louis, entre La Rochelle et l'équipe de France. Est-ce que ça y est, tu as trouvé tous tes repères ici? Oui, bah, ça a été avec la longue pré-saison qu'on a pu avoir, l'intégration a pu être très vite réalisée. Donc, c'est très facile de prendre les marques dans un club où on est bien accueilli, dans une ville aussi agréable surtout. On a la chance de voir la mer le soir et le matin en allant et en rentrant du club. Donc tout ça s'est fait naturellement. Et puis les allers-retours, c'est du bonheur. Donc on n'y prête même pas attention. Mais voilà, maintenant, c'est vrai que je disais, la saison a été plutôt longue. On a traversé des périodes de matchs reportés et de difficultés. Mais on a bossé pour en arriver là. Donc maintenant, on va prendre tout ce qu'il y a à prendre. Quand on est arrière et qu'on joue contre une équipe irlandaise, est-ce qu'on a une préparation spécifique pour faire des petits sauts, des réceptions de ballon là, parce que ça risque de ne pas arrêter? Ouais, on sait que maintenant c'est un atout, et c'est surtout un atout offensif pour ce genre d'équipe qui n'hésite pas à se séparer du ballon, parce que pour eux, ils vont à la lutte. Donc ça peut être, je disais, c'est vraiment un atout offensif. On a déjà vu des équipes, Munster, Leinster, Leinster ou même l'équipe d'Irlande qui est à la 79e derrière au score, vont taper pour aller récupérer le ballon. Ils n'hésitent pas parce que c'est une arme offensive pour eux. Donc voilà, il faudra être prêt pour couvrir toute forme d'attaque qu'ils vont nous envoyer. Donc voilà, ça va être un travail collectif encore une fois, et ce ne sera pas que le travail de l'arrière ou des ailiers, mais voilà, il faut qu'on soit prêt à tout accepter et à tout recevoir. Justement, ton jeu d'occupation au pied en début de saison a fait beaucoup de bien à La Rochelle, surtout quand c'est associé avec Jules aussi. Il y avait les deux pieds. C'est quelque chose qu'on a moins vu ces derniers mois. Est-ce que pour toi, ça peut être utile aussi pour la fin de saison de retrouver cette justesse et ce plan de jeu basé aussi autour de cette occupation? Notamment sur le match de Lyon, on a beaucoup utilisé le pied aussi, que ce soit 9, 10, 15, même au centre. On est capable d'alterner en fonction du moment du match, de là encore de ce qui se présente à nous par rapport à la défense adverse. Donc non, je trouve qu'on alterne même mieux et avec différentes armes, que ce soit avec tous les joueurs qui sont potentiellement capables de jouer au pied. Donc ça va être une des clés de la rencontre aussi, l'occupation, et puis de renverser les défenses si elles montent fort, de pouvoir nous aussi faire du bon jeu au pied offensif ou dans les zones libres pour essayer de renverser la pression. Donc, il faudra qu'on soit capable de s'adapter, et
si le pied fait partie de ces options-là, il faudra qu'on soit capable de l'utiliser.